Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui rentre là avec nous. Je dis nous merci parce que nous avons suivi, merci pour fidélité nous. Et moi, je vous une salutation pour tout étudiant qui a étudié en cuisine qui a suivi moi. Je dis à la moi, je prépare une petite galette de banane plantain. Pour me faire une petite galette de banane plantain, même si j'ai une banane là déjà, moi, coupé yo, mettez le tremper dans de l'eau froide pour pas te noircir. Et puis avec ça, moi, j'ai quelques petits malangas. Je vais couper un petit malanga autour. Ok. Une fois que je coupe malanga, qu'on a là, je vais le mettre le bouillir. Même mettons de l'eau froide là. Et puis mettre dans l'eau fraîche là. Moi, juste mettre un petit sel là-dedans, ok. Qu'on a là, je vais quitter le bouillir. Mais avant tout, pour qui ça fait moi mettre malanga avec banane là? C'est parce que banane n'a pas assez de amidon pour le coller avec ça va le faire, OK? Qu'on a assez pour ça mettre qu'on a tout le temps de cuire, le fin cuite, nous allons voir ça va le faire avec. Qu'on a là banane n'a fin bien cuite, regarde. Il cuit vraiment que il a crasé là. Ni malanga aussi bien bien cuite, OK? Qu'on a là moi va le vider. Une fois qu'il est bien débarrassé lui, jeter de l'eau qu'on a déposé là. Qu'on a là moi va le craser là, craser avec cuillère, ok? On fait vraiment de façon conventionnelle que nous tous, ça nous possède la caille, nous, soit en Haïti ou bien n'importe côté, nous, on va gagner nos cafés, ok? On va faire un bachou de là. Qu'on a pendant que nous faisons comme ça, mettons qui est beurre là-dedans, ok? Vous mettez beurre dans l'ido, hein? Façon, une fois que vous mettez beurre, qu'on a notre tigeant liquide, qu'on a la moelle pâtissée. Moi, je mettais demi-tasse de noix de coco là-dedans. Ça, c'est vraiment coco frais, acheté là, je me grager la caméra là. Pas dans la boîte, yo. Les noix achetées dans la boîte, elles sont trop sec, il n'y a pas de jus là-dedans encore. Ok? On a la mettre là-dedans. Et puis, mettez une tasse de fromage. Ou quand mettez fromage tête de mort, ou mettez n'importe fromage qu'on aime, on mettez une tasse là-dedans. Mets ton petit poivre et puis mets ton petit sel. C'est tout. Qu'on a la fin continue brassage. C'est tellement bon. Coco y a un goût que nous pas habitué à quelque chose nous pas habitué manger, ok? C'est quasiment fini. Maintenant c'est fini. Qu'on a là moi pour le mettre dans un plateau et puis pour me faire forme galette là pour nous. On va le vider dans la moule ça pour le cas prendre forme moins besoin et puis après ça pour moi bien arranger et puis nous allons faire une petite galette là pour nous. Mais les fêtes là devant nous, ok, c'est parfait, c'est excellent. Qu'on a là, on va le faire forme désirée, ok. Moi même, on va le choisir forme pas, ok. On va le faire quelques tirons, on va le faire quelques bâtonnets en long aussi. Nous allons voir, on va commencer. Ok, pour petit rond, commencer là, je prends un petit goudé. Ça, c'est vraiment une portion liée. Et voilà. Je prends une portion là. Je dépose là. Qu'on a l'autre, on va le faire de l'autre façon. D'accord? Qu'on a la moitié, ça, je vais bien arranger à côté. Qu'on a mal foncé des petits bâtons. Mais toujours une portion. Hein? Ça, c'est pour. Ça, c'est on a dit ça, c'est une portion, ok? Ça, lui-même, qu'on a l'autre partie, on va le foncer des petits carrés avec lui-même. Toujours, une portion aussi. Voilà, mais tout ça, on me fait carré. On va faire rond. Et puis, on me fait petit bâtonnet. C'est trois sortes ça, on me fait. Mais là, qu'on a, on va le mettre dans le plateau. On fait semi-cuisson. L'enfour. Et après ça, je vais dire qui ça nous a fait avec. Là, tout. À 3, je vais mettre le four à 375 et puis je vais mettre le four pendant 10 minutes. Après 10 minutes, je vais sortir et puis on va passer mes petits fromages là-dessus et puis nous allons voir le résultat final là. Maintenant, je vais sortir, voilà. Ça, c'est le résultat. Ok? Qu'on est là, regardez. Lorsqu'elle finit de sortir comme ça, je vais mettre le fromage sous lui. On va retourner dans le four là encore
qu'on a cette fois-ci là, mettez là 400 et puis 3 minutes. Juste pour que le fromage là coloré. C'est tout. Et voilà, qu'on a là, on va le mettre là 400 et 3 minutes, ça va être prêt et puis nous allons absorber tout coloré. Et voilà. C'est parfait ça. Et voilà. Qu'on a là, moi je fais tout ça là, c'est pas grave. Qu'on a ouvert, juste mettre comme ça, le finir refroidir là, on met à fond dans le congélateur. Dans l'eau, pour le sortir pour manger, on met dans le micro-ondes 40 secondes, 45 secondes. C'est parfait, c'est excellent. Et nous, ça, ben, ma petite galette de banane plantain avec et noix de coco, c'est vraiment bon, ok? Moi, goûter et puis, on pas senti goût coco en pile là, mais c'est bon, c'est fin, c'est léger, c'est extraordinaire. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon lundi, votre chef à la maison.